La séance est ouverte. Madame la députée, mesdames et messieurs les membres de l'Institut, chères consoeurs et chers confrères, madame le maire du 5e arrondissement, monsieur le maire de Versailles, monsieur le maire de Ris-Orangis, monsieur le président de l'Académie d'architecture, madame la présidente de la Cité d'architecture et du patrimoine, monsieur le directeur de l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais, monsieur le président de la Fondation de France, monsieur le directeur du musée des impressionnistes de Giverny, monsieur le directeur de la Villa Effroussi de Rothschild, monsieur le directeur général du pavillon de l'Arsenal, madame la directrice du musée de Cluny, cher Daniel Sancho, chère Bénédicte, Myriam, Séverine, Odile et Claire Boiret, mesdames et messieurs les présidents et directeurs, mesdames et messieurs les conseillers, mesdames et messieurs en vos titres et qualités, mesdames et messieurs, et si vous me permettez, chers amis, au nom de l'Académie des Beaux-Arts, de notre vice-présidente Astrid de la Forêt et de notre secrétaire perpétuel Laurent Petit-Girard, je vous souhaite la bienvenue au Palais de l'Institut de France. Nous tenons particulièrement à vous remercier de votre présence, nombreuse aujourd'hui. Et je donne sans plus attendre la parole à notre secrétaire perpétuel Laurent Petit-Girard de la session de composition musicale pour quelques mots d'introduction. Merci, Monsieur le Président. Bien, mesdames et messieurs, au cours de cette séance du mercredi 29 septembre 2021, Monsieur Bernard Desmoulins, qui a été élu le 14 novembre 2018 au fauteuil de notre regretté confrère et ami Yves Boiret, sera officiellement installé comme membre de la section d'architecture de notre compagnie. Officiellement installé, ne vous y trompez pas, ça fait quand même pratiquement 3 ans que Bernard travaille avec nous, avec beaucoup d'ardeur. Je dois vous dire que cette cérémonie a été plusieurs fois reportée, ce qui crée une sorte de suspense, malheureusement, dont on se serait bien passé. Nous connaissons tous les effets problématiques de cette pandémie, mais qui ne nous a malgré tout pas empêchés de travailler. Et notre compagnie a pu d'ores et déjà apprécier à quel point elle avait eu un choix judicieux en la personne de Bernard Desmoulins. Notre protecteur, Monsieur le Président de la République, ne pouvait malheureusement pas assister à cette séance, car le chef de l'État présidera dans quelques minutes l'hommage national rendu dans la cour des Invalides au caporal-chef Maxime Blasco, tué vendredi dernier dans le nord du Mali, et devant la mémoire duquel nous nous inclinons. Emmanuel Macron m'a chargé, ce que je fais avec plaisir, de transmettre ses plus chaleureuses félicitations et celles de son épouse, Madame Brigitte Macron, à Bernard Desmoulins, dont il avait signé le décret approuvant son élection le 13 décembre 2018. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Secrétaire perpétuel. Notre confrère Émeric Nubéna, membre de la section de composition d'architecture de notre compagnie, pour vous recevoir sous cette coupole. C'est donc lui que j'appelle maintenant à rejoindre la tribune. Chers confrères, cher Émeric, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs, chers amis, Monsieur, vous êtes un moine soldat. L'architecte est un moine soldat. C'est par ces mots qu'Henri Siriani, votre professeur, votre maître, accueille ses étudiants, dont vous êtes, sous la nef vitrée du Grand Palais, qui abrita un temps l'une des écoles d'architecture nées dans le renouveau de mai 1968. L'enseignement de ce grand architecte marqua plusieurs générations d'étudiants. Il vous inculquera l'éthique et la posture d'une modernité exemplaire, parfois dogmatique, que vous ne renierez pas, même si le moment venu, vous ouvrirez la voie d'une nouvelle modernité. Vous naissez à Toulouse, près de la place du Capitole, d'un père ingénieur dans l'aéronautique et d'une mère d'origine italienne à la nature poétique et intuitive.
Cette double ascendance fait de vous, disait votre ami Adam Yedid, un nonchalant efficace. Parce que vous êtes excellent en mathématiques, vous faites une brève incursion en maths sup. Mais c'est un autre monde qui, dans votre jeunesse, vous attire. Celui des objets, leur usage, leur forme. Vous vouliez être designer, mais c'est la voie de l'architecture que vous choisirez. À l'issue de brillantes études, vous présentez en 1980 votre diplôme. Vous allez maintenant découvrir l'univers passionnant mais rude de notre métier. La confrontation avec vos confrères dans des concours 100 fois recommencés, les discussions soutenues avec les maîtres d'ouvrage pour préserver l'essence de vos projets, les empoignades avec les entreprises dans le tumulte empoussiéré des chantiers. Avant de vous installer à votre compte, vous travaillez chez moi sur le projet de l'hôpital européen Georges Pompidou, puis sur le projet du Grand Louvre chez l'architecte Pei et son associé français Michel Macari. Après ces premières expériences, vous souhaitez explorer pour quelque temps une autre voie. Votre ami Jacques Ripaud, qui vous y a précédé d'une année, vous incite à vous porter candidat à la Villa Médicis. Vous y entrez par un propos provocateur. Au jury qui vous demande quelles sont vos motivations pour aller à Rome, vous répondez, je vous cite, « En allant à Rome, je souhaite combler les lacunes laissées par un enseignement pour qui l'histoire de l'architecture commence à la Villa Savoie de Le Corbusier et au mouvement moderne. » Par ces mots, vous évoquez quelques failles temporaires de l'enseignement de l'architecture après les événements de mai 1968. Le jury vous a entendu. En 1983, vous partez en famille rejoindre pour 2 ans la colline du Pinchot. Vous avez une haute idée de votre métier d'architecte. Vous déplorez que beauté, harmonie, sérénité soient devenus des mots proscrits au profit d'efficacité et de productivité. Vous souffrez de sentir combien ce métier magnifique est par certains mal connu, mal compris. Vous êtes choqué, à peine arrivé à la Villa Médicis, d'entendre l'un des pensionnaires, un compositeur, vous dire qu'à ses yeux, l'architecte n'était pas un artiste, mais un technicien, certes supérieur. Plaisantait-il ? J'aurais souri, ri peut-être, vous pas. J'imagine que parcourant avec lui les jardins de la villa, gravissant côte à côte en amitié la colline érigée sur les ruines du temple de la fortune, vous lui avez fait entendre un autre discours, fait comprendre que votre art était à la hauteur du sien. Oui, l'architecture est une musique figée. Cette part technique, propre à l'art de bâtir, les meilleurs architectes la dominent et la maîtrisant, la mettent au service des formes, des volumes, des espaces que leur imagination et leur science font surgir de terre. Par leur génie, elle devient architecture. Misandero dit « Chaque fois que la technique atteint à son véritable accomplissement, elle se transforme en architecture. » Sans technique, sans l'exigeante rigueur des calculs et du chantier, l'architecture n'est que dessin séduisant, rêve de papier, songe inaccompli. Écoutons Vitruve. L'architecture est le fruit de la pratique et de la théorie. Celui-là seul, qui, semblable au guerrier, sait les joindre l'une à l'autre, atteint son but. S'il ne le fait pas, c'est l'ombre et non la réalité qu'il poursuit. Jean-Marie Drault, alors directeur de la Villa Médicis, décide d'ouvrir aux Romains ce cadre confidentiel. Il vous passe votre première commande, aménager le prestigieux salon d'honneur en lieu d'exposition. Une contrainte pourtant, vous devez respecter les merveilleux enduits réalisés quelques années auparavant par le peintre Balthus
lorsqu'il était lui-même directeur de la villa. De ces enduits, vous dites, par leur beauté, ils figent les murs dans une illusion d'éternité. Dans l'attention portée à ces terpidermes, vous faites vôtre cette devise empruntée à Milan Kundera. Je vous cite. « Être moderne, c'est avancer par de nouvelles découvertes sur la route héritée. » Balthus donne son imprimature à votre élégante proposition. Quelques fines tiges de cuivre fixées au sommet des hautes parois du salon d'honneur supportent l'horizontale des tablettes qui recevront les œuvres exposées. Voici la photo. L'ouvrage est réalisé avec des moyens modestes. Vous m'avez dit être allé vous-même acheter chez Standa, le monoprix italien, les ampoules qui éclaireront les œuvres. L'équipe d'artisans que vous avez réunie vous suit enthousiaste. À l'ouverture du grand salon d'honneur, vous êtes applaudi. Ce premier travail vous initie à la scénographie. Encouragé par votre confrère Roland Simonet, vous vous préparez, sans le savoir encore, à la mission qui vous sera confiée quelques années plus tard au Musée des Arts Décoratifs. De ce séjour à Rome, vous direz qu'il fut une expérience fondatrice. De la ville, vous comprenez qu'elle a su tout absorber. De vos promenades, vous tirez une leçon de perspective à chaque coin de rue. En 1984, vous êtes lauréat des albums de la Jeune Architecture, premier succès qui vous permettra d'être invité à des concours publics. Avant de projeter quelques photos de vos réalisations, je veux que ceux qui ne sont pas architectes, mais aiment l'architecture et aiment l'homme que vous êtes, puissent, au travers de vos paroles, découvrir les prémices de la création architecturale. Je veux qu'ils vous entendent au premier temps d'un projet, qu'ils perçoivent aux premières esquisses l'agitation de votre esprit, qu'ils ressentent votre angoisse au moment de décider de construire. Voici les propos liminaires que vous avez prononcés en janvier 2011 à la Cité de l'architecture lors de la leçon inaugurale de l'école de Chaillot. Je vous cite. « Je suis un amateur de lieux comme il existe des mélomanes et des cinéphiles. C'est l'histoire des lieux, des matières, des textures, des traces humaines et des traces du temps qui vous inspirent. Ces lieux que vous regardez en poète, au point de les fantasmer parfois, vous en tirez l'essence du projet. Plus encore, face au terrain qui vous est confié, où vous allez bâtir, vous avez la lucidité et le courage de vous interroger. Est-il pertinent de construire en ce lieu ? Regardant quelques semaines plus tard vos esquisses punaisées au mur, votre esprit vous questionne. Est-ce de l'architecture ? Ces volumes que j'imagine, qui vont être érigés pour des siècles peut-être, comment transformeront-ils ce site ? Ils détruiront ou bien feront-ils naître une autre beauté ? Votre ami Pascal Urbain dit de vous. Bernard Desmoulins voudrait à toute force n'avoir qu'à restaurer les lignes et rafraîchir les couleurs d'un déjà là qui serait déjà beau. Il ne transforme les sites qu'en en prélevant des fragments. Il soustrait des petits coins du paradis à la rapacité du Moloch. Vous-même, parlez du respect impertinent qui vous conduit toujours à inscrire votre marque reconnaissable sans gommer l'aspérité des lieux. Philippe Rétiac souligne votre façon de vous amuser avec les lieux comme d'autres avec les mots. Il dit de vos travaux, ils tiennent de l'Oulipo. On le verrait bien avec Pérec et quelques autres triturant tout ça pour voir. Voilà qui gomme l'image austère que certains vous ont prêtée. D'ailleurs, lorsque tout jeune, vous rendiez visite à Pierre Dac, ami de votre grand-mère, admirant sa collection complète des romans de la série noire, et l'écoutant évoquer devant vous son journal Los Amual,
ne songiez-vous pas à faire carrière dans l'écriture ou le journalisme ? Revenons à votre respect des sites, à votre attention aux lieux où vous intervenez, à ces réflexions qui vous habitent. Ce n'est pas celle qui prévalurent dans les constructions d'après-guerre. Dans les périodes d'urgence que notre pays et d'autres en Europe durent affronter, les puissants et les architectes qui les servirent n'eurent pas le loisir ou n'eurent pas le courage de s'interroger comme vous le faites. Ou bien, étourdis par le concept de la table rase, décidèrent d'ignorer ce qui aujourd'hui vous préoccupe. Voilà ce que disait Joseph Belmont, un temps directeur de l'architecture auprès du ministre de l'Équipement, architecte dont votre épouse Christine, historienne et journaliste d'architecture, a retracé le parcours dans l'un de ses ouvrages. Écoutons-le. Dans ces années-là, les bulldozers d'une vision de la modernité et de l'économie firent que tout ce qui était plus nuancé, plus subtil, ne résistait pas, sauf exception. Le critique et journaliste Jean-François Pousse, assistant à votre conférence, dit, je le cite, « Surtout, pas un grand tour forcé des projets et réalisations. Non, tout au contraire, Bernard Desmoulins nous invite à considérer avec lui des objets, des faits, des images, des œuvres animées, son musée imaginaire, à découvrir l'architecte à travers un miroir sans teint, voilé, dévoilé par ce qu'il montrait. En 1987, vous remportez à 34 ans le concours pour la nécropole de Fréjus qui sera édifiée là où finit la Via Appia quand elle surplombe la baie de Saint-Raphaël et regarde la Méditerranée. Cette nécropole doit accueillir les corps des soldats morts dans les guerres en Indochine. La tombe, sujet austère aux sources de l'architecture. De cette magnifique réalisation, voilà ce qu'en dit le critique et journaliste François Lamarre. Je le cite. « Enclos circulaire, incrusté dans la pente entre Pinède et horizon marin, l'ouvrage est en rupture avec le registre high-tech qui s'évite alors. Un souffle antique parcourt ces murs modernes de béton brut, gravissant les degrés d'une composition dressée en amphithéâtre devant la mer. C'est une œuvre d'une maturité totale. Elle sera inaugurée en 1993 par le président de la République, François Mitterrand. Cher Bernard, certains des propos que vous tenez peu de temps après cette réalisation m'étonnent. J'ai parcouru l'interview que vous aviez donnée à cette époque dans le cadre d'entretiens auxquels participaient 40 architectes, jeunes comme vous, et déjà en vogue. Alors que vous allez avoir 40 ans, que vous êtes reconnu, célébré, vous dites « En tant qu'architecte, je n'existe pas. Pas encore. Pas d'illusion. » L'architecture, ça commence dans un aimable dialogue avec le président de la SIC, puissante émanation de la Caisse des dépôts, de consignation, et se termine dans un échange violent avec un chef de chantier qui vous débine. Vous m'avez dit qu'en ces moments, l'idée vous venait parfois d'explorer d'autres horizons professionnels en mettant à profit votre permis de conduire les poids lourds acquis durant votre service militaire. L'Académie des sciences y aurait gagné un spécialiste du moteur diesel et notre Académie des beaux-arts perdu un grand architecte. À cet âge, vous gardez l'œil sombre, tourné vers le sol. Vous êtes un taciturne. Par exigence de sincérité, par volonté de ne rien céder de l'essentiel, vous vous brouillez avec quelques clients. Vous dites, l'architecture c'est déjà assez pénible, il faut la faire avec plaisir. Après ces temps de morosité et de rébellion, vous vous présentez à des concours, en veillant cependant à ne pas vous disperser. Certains que vous remportez vous permirent de parcourir le monde, de Tokyo à Montevideo, de Johannesburg à Port-au-Prince. D'autres furent sans suite, comme le concours de l'ambassade de France aux Seychelles que vous aviez gagné, mais le ministre décida de confier
à un autre. Cela arrive malheureusement. Par vos succès, vous gagnez la confiance des grands maîtres d'ouvrage. Vos bâtiments en France et à l'étranger sortent de terre peu à peu. Regardant vos projets, je songe au grand architecte vénitien Carlo Scarpa, à son sens du détail, à l'attention qu'il porte à la texture des matériaux, à l'intelligence et l'élégance raffinée de leur mise en œuvre. Vous-même aimez dessiner des bâtiments élégants. Voici quelques photos de vos réalisations. Le centre contemporain de Montreuil, revêtu d'acier Corten. Madame Dominique Voynet, maire de Montreuil, ancienne ministre de l'écologie, vous remerciera de n'avoir pas succombé à la mode des vêtures en bois. Un lieu cultuel multiconfessionnel que vous installez plus tard dans la nécropole de Fréjus. Au sein des hôtels particuliers du boulevard Saint-Germain, vous érigez le restaurant du ministère des Affaires étrangères. Vous êtes fier de la précise et efficace technologie de sa pergola mobile et de son reflet dans le bassin vitré qui surplombe la salle à manger en sous-sol. À l'abbaye de Cluny, vous réalisez le pôle de restauration de l'École nationale supérieure des arts et métiers. Vous utilisez à nouveau la sécortène à l'abbaye du Port-Royal. Vos projets visent à l'essentiel. J'essaie de faire juste, dites-vous, en écho aux propos d'Henri Siriani que je cite. Personne ne demande à l'architecte de faire de l'architecture. On attend de lui des résolutions fonctionnelles, une définition constructive, une image de façade, pas davantage. Le propre de l'architecture, la dimension sensible, c'est à l'architecte de l'imposer. Cette dimension sensible, c'est en jouant de la lumière naturelle et des reflets qu'elle crée dans les miroirs d'eau que vous l'exprimez dans une virtualité architecturale qui signe certains de vos projets. Bernard Desmoulins, votre œuvre n'est pas celle des bâtisseurs de machines arrogantes. Vous prenez une attitude nuancée et assignée à vos projets d'apaiser les lieux où vous intervenez. Je vous cite. La modernité aide à définir l'avenir et non un spectacle qui dure l'instant d'une performance. Et parlant du déconstruisme, vous dites « Je ne veux pas ajouter du chaos au chaos. » Vos projets échappent aux effets de mode, en voici quelques-uns. À Sarrebourg, un musée d'archéologie qui abrite des œuvres de Marc Chagall. À Meudon, les extensions des réserves du musée Rodin. À Mexico, la réhabilitation de l'ancienne ambassade pour accueillir le Centre culturel français. Lointain et accaparant chantier qui vous laisse à peine le temps de visiter les œuvres du grand architecte Luis Barragán. À Paris, l'extension du musée de Cluny, aux façades en plaques de fonte d'aluminium. Jean Nouvel dira sur les ondes de France Culture qu'elle est un chef-d'œuvre. Vous l'avez conçue comme une strate du XXIe siècle ajoutée aux strates romaines, médiévales et celles du XIXe siècle. Au Grand Commun de Versailles, vous faites les services du château qui vous regroupez dans le Carré du Roi, œuvre de Mansart. Au musée des arts décoratifs, vous restructurez l'aile Marsan pour y accueillir les galeries d'études, les galeries du jouet, l'espace du peintre du Buffet, un auditorium en sous-sol. À Saint-Maxin-l'École, vous transformez avec votre confrère Pierre-Antoine Gattier en médiathèque une ancienne piscine de François Henbic. À Ajaccio, vous redessinez la place Campici avec un miroir d'eau évoquant les quais esquissés par Napoléon Ier et un marché aux impériales colonnades de béton. À Paris, vous réalisez un conservatoire de musique et de danse, bâtiment pétillant
égayant la triste banalité d'une rue. À Clichy, sur un terrain à la géométrie impossible, un autre conservatoire vous vaudra en 2009 l'équerre d'argent que vous remettra notre confrère Frédéric Mitterrand, alors ministre de la Culture. À vos mains, en Normandie, une salle de conférence sur le lac du Moulin de la Forge. Pour conclure, quelques réflexions sur notre métier. J'ai connu le temps lointain des erreurs urbanistiques et le peu d'attention portée aux aspirations de ceux pour qui l'on construisait. J'ai entendu des politiques s'insurger bien tardivement contre la prolifération des centres commerciaux et des zones d'activité qui ont appauvri le cœur des cités et détruit les entrées de nos villes. Errement que les architectes furent souvent les premiers à dénoncer dans l'indifférence coupable des élites. Puis vinrent des temps nouveaux, moins soumis à l'urgence, libérés des théories érigées en dogmes. Ce fut le temps des grands projets du président et des grands édiles locaux, la French Touch. Moment heureux où l'architecte fut consulté, écouté, entendu. Aujourd'hui pourtant, j'ai le sentiment que l'architecture tend à se replier sur elle-même. Il manque une pensée nouvelle pour l'habitat des cités en perdition. Il manque un regard critique sur ces villes neuves qui surgissent aux quatre coins du monde. L'écologie est une préoccupation légitime, mais n'est qu'une réponse partielle aux questions brûlantes que pose le logement du grand nombre. L'architecte Alberto Campo Baeza nous incite à fuir, je le cite, cette juxtaposition d'images, de bruits et de concepts qui composent un tintamarre étrange que nous, contemporains, percevons comme une exubérante indispensable à la modernité. À son tour, l'architecte Pierre Riboulet nous dit de ne pas nous laisser prendre, je le cite, à ces étranges objets architecturaux qui apparaissent et disparaissent comme des lucioles où l'on fait assaut de gestes aussi pittoresques qu'éphémères et vains. Pour ma part, je dis, il faut préparer dans le chaos du monde l'accueil de ces peuples en mouvement qui transformeront nos villes. Il faut cesser de saccager de nouveaux territoires. Il faut reconquérir avec une intelligente attention quelques-unes des constructions que nous léguèrent les années d'après-guerre. Il me vient en mémoire cette phrase de Yuko Mishima dans Neige de printemps. Voici ce qu'il écrit. C'était un bel après-midi de dimanche, serein, paisible, magnifique. Pourtant, Kiyoaki demeurait convaincu qu'au tréfonds de ce monde, pareil à une outre de cuir remplie d'eau, il y avait un petit trou et il lui sembla qu'il entendait le temps s'en échapper goutte à goutte. Architecte, quelles traces laissons-nous dans ce monde trop plein et ce temps qui fuit ? Cher Bernard, je sais que vous ne voulez pas ajouter au désordre du monde. Votre attitude et vos projets en témoignent. Devant vos amis assemblés sous cette prestigieuse coupole, je suis heureux de vous dire bienvenue dans notre compagnie. Merci, chers confrères. Mesdames et messieurs, l'usage et les statuts de notre compagnie
veulent que l'intervention de chaque nouvel académicien soit notamment l'occasion de prononcer l'éloge posthume de son prédécesseur et qu'il en rappelle ainsi sa vie et son œuvre. Cher Bernard Desmoulins, je vous invite donc maintenant à rejoindre la tribune, qu'il nous soit permis, par votre intermédiaire, de rendre hommage à notre regretté confrère Yves Boiret, qui avait été installé sous cette même coupole le mercredi 25 juin 2003 par notre regretté confrère Marc Saltet. Cher Bernard Desmoulins, vous avez maintenant la parole. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers confrères, d'abord, je dois remercier, bien sûr, Aymeric Zumella pour ce portrait particulièrement touchant de la part d'un confrère très amicalement estimé et respecté. Jeune, il l'a rappelé, j'ai travaillé auprès de lui après mon diplôme et mon escale dans la 2e division blindée. Il n'avait pas encore l'impressionnante carrière qu'on lui connaît, mais s'attelait déjà à la fabrication des villes nouvelles et à l'architecture de la santé avec l'hôpital Georges Pompidou. Plus tard, le Stade de France, réalisé avec son complice de longue date, Michel Macari, élargirait son horizon à la scène internationale. Je suis très honoré que vous m'installiez aujourd'hui au fauteuil du Bois. Très ému aussi de me tenir sous cette coupole, vêtu de l'habit vert, signe définitif de votre accueil confraternel. J'en mesure la responsabilité et songe à tous nos illustres prédécesseurs, Percier Fontaine, Le Fuel, Étorf, Labroust, Laloux et tant d'autres dont nous sommes les héritiers. Le grand Flaubert prétendait que les honneurs chassaient l'honneur. Après ce roulement de tambour impressionnant qui nous accompagne sous cette coupole, je pense que Gustave se trompait. Il eût été déshonorant de refuser la main tendue d'une prestigieuse assemblée dont la somme des œuvres incite à la plus grande humilité. Ce cadeau ne s'adresse pas qu'à celui qui le reçoit, mais à la chaîne invisible de ceux qui, comme l'équipage d'un sous-marin, naissent un instant émerger la pointe de périscope. Beaucoup sont ici et je les en remercie. J'ignore pourquoi on devient architecte. Il est certain que depuis toujours, je détestais certains paysages, certaines rues dont l'ambiance pouvait agir sur mon humeur. Je voyais en revanche de très belles choses, anonymes ou non, dont la présence habituelle niait toute hiérarchie, qu'elle soit abri ou habit. L'idée de permanence était bien loin de toute forme de style ou d'écriture. Je les regardais comme on regarde un arbre avant d'y reconnaître un chêne, un pin ou un cyprès, rapprochant indifféremment les architectures médiévales et contemporaines, confondant les époques en recherche de dignité ou de spiritualité, d'organisation ou de désordre, dans la constance des préoccupations humaines en apparence chaotique. L'architecture est faite de vide, de plein, de gravité, de lancement, d'archétypes et de prototypes, mais aussi de sol et de ciel. Cette combinaison sans fin d'éléments naturels ou inventés et la mise en lumière de sensations anticipées ou hasardeuses ont occupé l'essentiel de notre vie. Se frotter à la réalité, gérer la complexité pour trouver la simplicité, rechercher l'évidence ou l'insolite, parfois l'émotion, apparente cette activité à un jeu dont nous avons mesuré très vite l'importance. J'ai pris tout cela au sérieux, très au sérieux même, dans la recherche continue d'un plaisir, préservant l'étonnement du voyageur qui fuit sa modernité quotidienne. Pour moi, ce voyage fut autant un déplacement vers les autres qu'une mise en résidence. Jeune, j'étais impatient de devenir moderne et me demander à quel âge on le devenait.
quelques signes annonciateurs scintillaient à travers les couleurs franches des films de Godard, des images de Capri depuis la terrasse de la Villa Malaparte, l'audacieuse longueur des robes de Courrèges, les musiques insolites de Pierre-Henri, une affiche de Jean Widmer, les répliques énigmatiques de la cantatrice chauve de Ionesco et bien d'autres choses encore. Si je remonte au plus loin de mes engouements, je constate la persistance d'un certain détachement et d'une indifférence de fond pour la culture à laquelle aujourd'hui je me réfère. Et je peinerai à identifier une tendance suffisamment proche de mes préoccupations pour avoir déclenché mon intérêt pour l'architecture. L'enseignement sous la verrière du Grand Palais avec Henri Seriani, suivi de quelques superbes rencontres, corrigerait définitivement cette mise à distance. Des noms qui parleront à mes confrères architectes, Bernard Zerfus, par exemple, qui fut le secrétaire perpétuel de cette académie. Mon épouse et moi-même sommes à l'origine de l'exposition qui fut consacrée à la Cité de l'architecture. Je pourrais citer Roland Simounet et tant d'autres dont la posture intemporelle de l'architecte ne pouvait que par mimétisme m'influencer. Délaissant les analyses rationnelles, mon propos d'architecte a souvent privilégié une approche intuitive des lieux. Mon insuffisante culture architecturale m'a pourtant étonnamment conduit à frôler de grands monuments, comme si cette proximité ne pouvait en aucun cas les atteindre. L'inculture, alliée à l'inconscience, est un cheval de Troie dont il faut se méfier. Toujours à la recherche d'une légitimité accordée à celui dont les références n'étaient que des promesses, je ressentis une forme d'orgueil en comprenant que la modernité, dans sa prétention, n'agissait pas autrement. Pire, je pressentais dans certaines réalisations une surmodernité, une radicaturalité dépourvue de chaleur et d'humour, faite de non-lieux, hors de toute nuance, identitaire ou historique. Certaines créations populaires étrangères à mon exercice, plus souvent porteuses d'innovations que n'est l'avant-garde, m'attiraient et j'imaginais mon travail comme support de récit. Un déjeuner au bord de l'eau, une cabane dans les arbres, un hangar à bateau, un mémorial livré au végétal, un déhanchement de tête près du métro Robespierre. Plus sensible au décor de notre quotidien qu'au registre formel né de pesantes théories, je m'approchais à petits pas et sans culpabilité vers l'édifice sacré, célébré et paré de toutes les gloires, celui qui reste dressé après les révolutions, les guerres et la tabula rasa. Celui que l'on choisit ou restaure. L'époque m'était favorable, elle redécouvrait l'utilité du déjà-là en le démystifiant. Ce patrimoine m'a fait découvrir des personnalités, des architectes d'une autre espèce. Spécialistes des monuments, ils semblent sacrifier leur ambition créative en adoptant une posture de conservateur, rôle jugé ingrat dans la fabrication de la ville. Très loin de la figure de l'auteur arrogant, les yeux rivés vers le futur. À se tourner élégamment vers le passé, il apparaissait généreux de reconnaître le titre d'historien, de technicien. Pas si simple, la réalité est ailleurs. Artistes, poètes, ils se sont tout simplement fait détourner du droit chemin par une beauté survivante. Yves Boiret, à qui je rends hommage à travers cet éloge, n'était pas que l'un d'entre eux. Il semblait en être le modèle. Je ne l'ai jamais croisé. D'une façon ou d'une autre, son nom apparaissait au fil des projets. Plus j'observais ce monde érudit des monuments historiques, plus il s'imposait comme la référence incontournable pour, selon ses propos, savoir transmettre à partir de son propre choix ce qui appartient à tous. Unanime quant à son autorité courtoise et son opiniâtreté à défendre ses positions d'architecte et celles du corps des ACMH, ceux de ses nombreux amis qui m'ont parlé de lui, de la querelle liée à la restauration de la basilique Saint-Sernin à Toulouse, ou des convictions portées par ses projets de restauration pour le Saint-Sépulcre de Jérusalem, ont avivé ce regret de ne pas l'avoir connu.
Je tiens à dire à ses cinq filles, Odile, Claire, Bénédicte, Myriam et Séverine, et à sa famille, l'honneur qui est le mien d'évoquer en ces lieux son parcours et son engagement. Engagé, il l'était à plus d'un titre, comme président du corps des monuments historiques, comme enseignant à l'École des Beaux-Arts de Paris, à l'École de Chaillot, à l'Université catholique de Louvain, au Restauro à Rome, sans oublier ses innombrables missions internationales, dont celle du Conseil de l'Europe ou celle de l'UNESCO, au chevet des temples d'Angkor. Sans prédécesseur, lors de son installation il y a bientôt 20 ans, Yves Boiret devint le premier occupant de son fauteuil. Ce petit-fils et fils d'architecte dont il fut pendant 30 ans l'associé est né à Fontenay-aux-Roses en 1926. Dans une grande maison familiale, recouverte de glycines, proche du pavillon d'où Yves Klein ferait plus tard son célèbre saut dans le vide. Yves Boiret, lui, n'était pas homme à sauter dans le vide. C'est un homme ancré de l'École des Beaux-Arts, atelier Pontrémolier-le-Comte. Il sortira diplômé en 1955, en obtenant la même année le diplôme d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens. Il devient, en 1963, architecte en chef des monuments historiques, puis inspecteur général, après avoir assisté Jean Trouvelot au château de Vincennes, l'un des grands projets d'André Malraux. Homme de conviction, porté par des valeurs qu'il a su mettre au service de trésors immuables, Yves Boiret vivait rue de Médicis, près de la fontaine du Jardin du Luxembourg. Entre l'agence, boulevard Saint-Germain, et son domicile, où il gardait une table à dessin, il trouvait avec son épouse Donatienne et leur fille le difficile équilibre entre la vie familiale et une vie professionnelle ponctuée de chantiers et de voyages internationaux. Un architecte peut tout autant inventer des édifices que soigner des constructions qui accompagnent l'humanité. Pour ouvrir le patrimoine à la création, Yves Boiret avait à cœur de réunir les deux approches. Il compta pour beaucoup dans une publication de 1979, créée dans le créé, l'architecture contemporaine dans les bâtiments anciens, l'un des premiers ouvrages sur ce thème. Son enseignement à l'école de Chaillot et son discours sous cette coupole sont dans la même veine. Ses filles rapportent qu'il se voyait en médecin des monuments, juste et pragmatique. L'appellation paraît toutefois trop modeste pour approcher un humaniste, rassembleur des hommes et des idées. Représentatif d'une génération d'ACMH qui vit naître la Charte de Venise, Yves Boiret militait ainsi pour l'harmonie et la complémentarité entre patrimoine et création, dans une continuité sans rupture, mais sans concession à l'imitation. Déjouer, selon lui, je cite, « le risque redoutable de falsifier la beauté des monuments historiques par un acharnement abusif », l'avait persuadé qu'accomplir une tâche créative de nouvelle strate dont l'histoire se nourrit doit être un témoignage de beauté réinventée. Au-delà de leur forme, c'est l'esprit de ces monuments qu'il désirait transmettre. Ses interventions en témoignent sur les châteaux de Vincennes, Annecy, Fougères, Vitré, sur l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, les cathédrales d'Albi, Reims et Beauvais, les couvents des Jacobins ou des Cordeliers, le musée des Augustins, les églises Saint-Sulpice, Saint-Séverin ou encore le Val-de-Grâce. D'une politesse indéfectible, à l'écoute et bienveillant, je l'ai toujours vu sourire, ce qui témoigne de son ouverture au monde et aux autres, dit Bruno de Caris, qui fut son élève. Et d'ajouter, les ACMH côtoient la grandeur de ce qu'il y a de mieux dans l'humanité. Cela peut parfois leur causer des tortures. Le Saint-Sépulcre fut ainsi l'un des sujets les plus difficiles auxquels ils se soient confrontés, ayant leur affaire à plusieurs attributeurs dont les idées différaient autant qu'elles le font aujourd'hui dans l'Europe des 27. Les décisions prises par le patriarche grec et le patriarche arménien qui allaient à l'encontre de ses convictions le poussèrent à démissionner.
ému par l'attrait secret qu'ont les hommes pour les ruines, Chateaubriand affirmait que ce sentiment tient à la fragilité de notre nature, à une conformité secrète entre ces monuments détruits et la rapidité de notre existence. Dans une relation parfois teintée de mysticisme à la beauté et à la transcendance de ces vestiges, Yves Boiret avait le bonheur de partager l'intimité de ces monuments qu'il évoque dans son discours d'installation. Dans les hauteurs ruisselantes de sculptures de la cathédrale de Reims, au sommet de sa tour nord, j'ai fait un jour une rencontre terrifiante. Parvenu à l'ultime palier d'un échafaudage, seul un vestige sculpté m'attendait, rongé par cette lèpre qu'est la pulvérulence de la pierre. Cette rencontre inopinée m'a douloureusement fait ressentir la responsabilité terrible d'une vocation mise au service de la beauté. Comment ne pas être touché par cette confrontation à 40 mètres au-dessus du parvis qui, ajoutait-il, fourmillait alors de touristes ignorant le drame de la mort progressive d'une beauté qu'il venait précisément contempler. Cette remarque m'a fait songer à la première scène du film de Paolo Sorrentino, La Grande Bellezza. Un touriste masqué par l'objectif de son appareil photographique y est foudroyé par la beauté de Rome. C'est le syndrome de Stendhal. Rareteiro, Flaminio Ponzio to, Giovanni Fontana, Nio te se che sare nasta. Ftutsuno chisana hekigano yoko ni sue. Mitsuno okina hekigan taranaru. Ma è veramente rotto il cazzo, eh. Bracciano kokarana garetti dei mas. Mata. Kyoto wa sono ko ni shokubutsu e no hezetsu shi. La beauté est une torture infligée à nos habitudes. Enseignant au Restauro, Yves Boiret supporta cette beauté.
Le regard et l'autorité d'Yves Boiré ont éclairé et vivifié les grands débats qui ont animé le service des monuments historiques dans le dernier quart du XXe siècle. Pour toujours, son nom est attaché aux questions doctrinaires de Saint-Cernin de Toulouse, à la réflexion profonde engagée pour la conservation de la statuaire de la cathédrale de Reims ou à la réflexion structurelle sur la cathédrale de Beauvais. En effet, dans les années 80 et 90, lorsque les toitures de la basilique Saint-Cernin se dégradent, Yves Boiré décide de rétablir les dispositions médiévales du haut comble en restituant les mirandes supprimées en 1860 par la toiture de Viollet-le-Duc. Or, les historiens de l'art l'affirment, on ne détruit pas Viollet-le-Duc. Si son argumentaire convainc la Commission supérieure des monuments historiques, favorable à la déviolet-le-duquisation de ce monument, Yves Boiré se heurtera à une violente campagne de protestation des associations de quartier soutenues par le maire de la ville. Attaqué personnellement, honni et traité de parisien, bien qu'il soit l'architecte en charge des Augustins et du couvent des Jacobins, Yves Boiré sera accusé de désacraliser l'Église pour la muséifier. Assumant ses choix, ce chrétien fervent ne manqua pas de rappeler qu'il n'était pas dans ses habitudes de désacraliser les édifices et qu'il laissait à ses descendants toute liberté de détruire un jour les restaurations dont il s'amusait à dire qu'elles étaient celles d'un Boiré-le-Duc. Seule la visite et l'intervention du ministre de la Culture, Jacques Lang, fit taire ses opposants. Yves Boiré débuta sa carrière dans la France des Trente Glorieuses. Des innovations colorent l'air du temps. Des possibilités inédites s'offrent aux urbanistes et aux architectes pour substituer à une existence séculaire de grands ensembles modernes. La table rase est dressée. Cependant, André Malraux, pour qui les monuments sont le plus grand songe de France, entérine en 1962 la création des secteurs sauvegardés et lance les grands chantiers de restauration de la cathédrale de Reims, du Louvre et des châteaux de Chambord, Fontainebleau, Versailles et Vincennes. Reconnu très jeune au plus haut niveau par la République, Yves Boiré s'inscrit dans la longue tradition du compagnonnage des bâtisseurs des cathédrales dont Le Corbusier rappelle l'héroïsme dans quand les cathédrales étaient blanches. Je cite, « L'univers tout entier, soulevé par une immense foi dans l'action, l'avenir et la création harmonieuse d'une civilisation. » Yves Boiré a su nous faire aimer les cathédrales, les vieilles pierres et tout ce qui parlait de nous. Il savait sauver ces monuments garants des ambitions, du génie et des drames d'époque révolue. Quelle tâche immense de toucher ainsi ce qu'il y a de plus noble pour confier à nos descendants l'émotion qu'il suscite. Mais quelle responsabilité! Écoutons encore Boiré confronté à la fragilité des voussures de la cathédrale de Reims. Une nuit de l'année 1987, un dé en pierre, détaché de son voussoir, s'est écrasé au sol. Nul indice n'annonçait la soudaineté de cette chute qui n'entraîna heureusement aucun accident de personne. On imagina aussitôt le drame qu'elle eut provoqué en pleine journée, quand de nombreux visiteurs contemplent cet admirable portail en cette entrée principale de l'église. Les parties consolidées au fil du temps par cerclage ou gaujonnage comportaient des fissures apparemment nouvelles, situées dans des angles morts invisibles depuis le sol. Comment apprécier précisément le nombre, la forme, la profondeur des éléments métalliques éventuellement incorporés dans des voussoirs analogues à celui qui s'était brisé? Était-il possible de procéder sans risque à leur extraction? Ces dilemmes étant embarrassants, la réflexion ne pouvait être menée que sur place. Sur ce chantier majeur, notre confrère renouvela la doctrine d'intervention sur la grande statuaire monumentale.
ce n'était qu'une étape. Quand il se confronte à la basilique Saint-Sernin, Yves Boiret nous parle de modernité. Là où Prosper Mérimée n'avait confiance qu'en Viollet-le-Duc, lui saura démystifier cette figure et ouvrira de nombreuses perspectives à une nouvelle génération d'architectes. Il y a quelques jours, au petit matin, je suis passé devant le 176 boulevard Saint-Germain, d'où il partit si souvent à l'aube pour s'envoler vers Toulouse en caravelle ou sillonner les routes de Savoie, du Tarn, de l'Orne ou de l'Oise. Belle époque que celle où l'architecte en chef était le prince des territoires dont il avait la charge. Humaniste, représentant idéal de la culture, il y était accueilli en grand monsieur. Nul ne supposait alors que le gris boiré de ses costumes lui donnait l'aisance de passer d'un chantier poussiéreux à l'antichambre d'une préfecture. Nous ne pouvons construire qu'avec des certitudes un futur inconnu. Ces certitudes ne tiennent qu'au passé. Yves Boiret le savait. Lui qui, si souvent, dut convaincre de la justesse de ses interventions, s'attachait à la vision de ce que les monuments furent et pourraient être. La recherche de nouvelles authenticités sur des sites auxquels nul sommeil éternel n'est promis, c'est pour moi faire du passé table ouverte. Est-ce cela que l'Académie reconnaît dans mon travail ? Et si l'on y décèle quelques traces d'originalité, je pense à Jean Cocteau qui prétendit ici même que l'originalité consiste à s'acharner à vouloir faire comme les autres sans jamais y parvenir. Fort de demain, ce que l'on regarde aujourd'hui n'existe déjà plus. Ces décors d'illusion nous inspirent une mélancolie que cache à peine l'idée de permanence. Chers académiciens, je vous remercie d'accepter parmi vous quelqu'un qui veut vous aider à entretenir cette magnifique illusion. Merci. Chers confrères, soyez le bienvenu dans notre académie, soyez le bienvenu dans notre compagnie. Merci pour ce bel hommage rendu à Yves Boiret. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir bien voulu assister aussi nombreux à cette séance d'installation. Dans un instant, son épée d'académicien sera remise ici même à notre confrère Bernard Desmoulins au cours d'une cérémonie amicale et moins formelle. Je vous demande donc, mesdames et messieurs, de bien vouloir conserver votre place, même si je déclare officiellement que cette séance d'installation est levée. Merci. Très bien. Merci, monsieur le président. Alors d'abord, mesdames et messieurs, je voudrais attirer votre attention sur un détail qui vous a peut-être échappé. Vous avez vu à la fin du discours, un très beau discours de notre cher confrère Aymeric Zublénard, Aymeric et Bernard avoir une magnifique accolade ensemble. Je vous rappelle qu'ils sont immortels,
Ce n'est pas votre cas. Je vous conseille donc de respecter les gestes barrières. Alors, très cher Bernard, vous avez choisi M. Daniel Sancho, qui, entre autres fonctions passées et actuelles, occupe celle de directeur du projet de rénovation du Grand Palais, pour vous remettre votre épée d'académicien qui a certainement toute une histoire et beaucoup de symboles. Donc, cher Monsieur Sancho, je vous prie de bien vouloir rejoindre Bernard Desmoulins à cette tribune et vous avez la parole. Oui, bien sûr. Cher Bernard, chers amis, me revient donc maintenant le redoutable honneur et encore le plus grand sincère plaisir de vous remettre votre épée d'académicien. Mais avant cela, je dois vous faire part d'une question qui m'a attrapé cet été en passant dans la halle du marché d'Ajaccio, Ajax pour les Corses, que vous avez dessinée, cher Bernard. Cette question, je me l'étais posée quand m'avait sollicité au mois de juin pour vous remettre cette distinction. Pourquoi m'avoir choisi? Quelle est ma légitimité pour un tel honneur? Vous seul, Bernard, avez la réponse. Vous ne l'avez pas donnée. Mais j'ai besoin d'y trouver un sens. Je l'ai cherché. À travers cette demande, c'est pour moi tout à la fois un honneur de vous avoir accompagné dans la réalisation des projets que nous partagions et l'intuition de l'existence d'une relation particulièrement forte entre l'architecte que vous êtes et le maître d'ouvrage que je suis. Une relation basée sur le respect mutuel, la confiance et l'écoute. Je crois, Bernard, que c'est bien avec cet état d'esprit et cette complicité qui, au fil du temps, s'est transformée en amitié que nous avons mené différents projets ensemble depuis presque 25 ans, comme les galeries du Musée des Arts Décoratifs à Paris ou le Grand Commun à Versailles, en coproduction avec Frédéric Didier, et dans les deux cas sous la direction précieuse de mon ami décédé Jean-Claude Dumont. J'ose penser que cette hypothèse pourrait être partagée par certains des membres de l'Académie, ici présents, avec lesquels j'ai eu la chance de travailler. Alain-Charles Perrault sur le Grand Palais, Dominique Perrault à Versailles pour le pavillon Dufour, Jean-Michel Villemotte pour l'aile Richelieu et le pavillon des sessions au Louvre, ou encore Pierre-Antoine Gatier, le plus récent nommé, pour la Bourse de commerce. Et j'ai vu dans l'Assemblée deux autres compagnons de route, Michel Macari et Jean-Louis Roubert. Venons-en à l'essentiel. Venons-en à votre épée d'académicien réalisée par le sculpteur Marc Gassier. Vous l'avez dessinée. Qu'en dire? Son graphisme d'abord, qui forge dans la sobriété l'alliance des contraires, mêlant tout à la fois l'exigence janséniste et la vitalité du baroque. Autant dire l'austérité et l'excès. Ce sont vos mots. Pardon. Les matières qui la composent. L'acier, que nous avons apprécié au Grand Commun à Versailles, l'aluminium cuivré, le bois, le laiton, le cuivre et la céramique. Là encore un jeu des inclusions qui érige le principe du défi des contrastes et qui est une des signatures essentielles de votre travail. Que de tensions dans cette démarche, mais à vous côtoyer de près depuis si longtemps, je ne peux que vous y retrouver. Sa taille, 82 cm, inférieure au standard, peut être un signe de votre modestie. Le dessin de la garde et du pommeau reprend les éléments architecturaux de deux de vos œuvres, la nécropole de Fréjus et le pavillon d'accueil du musée de Cluny. Enfin, la gravure de la lame. On y retrouve côte à côte les initiales de vos parents et trois mots, utile et futile, comme une rime inachevée, une forme de définition de l'architecture qui refuse à se figer et opte pour la recherche difficile de l'équilibre dans chaque nouveau projet.
Ainsi s'entrelacent la gravité, le lien, la transmission, la légèreté, peut-être la provocation et l'humour, peut-être un autoportrait. N'était-ce pas déjà ce message que vous nous passiez dans la photographie que vous avez jointe au carton d'invitation pour cet après-midi? C'est bientôt la fin de mon intervention, mais celle-ci est enfin la remise de votre épée, pardon. Une dernière remarque, Bernard. Mais enfin, si le dessin de cette épée paraît très simple, l'épée que vous avez conçue a été particulièrement complexe à réaliser. Marc Gassier ne nous contenterait pas sur ce point. Vous êtes exigeant, Bernard, très exigeant. Mais dans cette œuvre, là, comme dans tous les projets livrés, vous avez apprécié que d'infimes incidents ou d'infimes maladresses viennent les enrichir. Alors. Cher Bernard, j'ai l'honneur de vous remettre cette épée, signe de votre droiture, de votre engagement au service de l'architecture. Faut improviser maintenant. Je suis étonné que Daniel se soit demandé pourquoi je l'avais choisi. Ça a été, je pense, un des premiers maîtres d'ouvrage qui m'ait fait confiance. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que je ne vois pas souvent, que je ne vois pas beaucoup. On se regarde comme ça à travers des publications, plus que qu'en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Mais ça fait partie des trois grands maîtres d'ouvrage avec qui j'ai travaillé. Et il a fallu en choisir un, bien sûr, il ne pouvait pas être trois. Et qui ont ponctué mon parcours. Voilà. Et c'est vrai que ces maîtres d'ouvrage sont devenus des amis. Et je crois que le mot n'est pas trop fort. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand j'ai choisi Daniel, j'aurais pu choisir un ou deux autres, mais pas tellement plus. Et en tout cas, c'est vrai que c'est émouvant de pouvoir dire, sous cette coupole magnifique, dans ce lieu solennel, qu'en gros, on doit tout aux gens qui nous font confiance. On doit tout aux gens qui nous font confiance, et ça commence aussi par une famille. Voilà, j'ai une famille qui a rendu ce voyage extrêmement agréable. D'abord, mon épouse, avec qui j'ai travaillé, avec qui on a, depuis longtemps, on fait ce voyage. Et puis, j'ai deux enfants, Chloé, ma fille, et Olivier, qui lui-même est père d'un petit enfant qui vit à New York, donc il n'a pas pu venir, pour des raisons compliquées. Voilà, donc je tiens à dire à tous ces gens, et je crois beaucoup, la plupart des gens qui sont ici, que je connais, je sais qu'on n'existe pas tout seul, quoi. Ça, c'est, et entre les amis, entre les maîtres d'ouvrage, la famille, tous ces gens qui, à un moment donné, fait qu'on existe, on s'aperçoit que la vie peut être extrêmement agréable. Voilà. Juste un dernier mot. Pour des raisons logistiques, j'ai pas pu organiser une grande cérémonie après le cocktail qui va avoir lieu ici. En revanche, elle aura lieu dans quelques semaines, dans un des lieux les plus beaux de Paris, j'espère, à la sortie d'une monographie sur le travail de l'agence. Voilà. Je tiens à remercier aussi tous les gens qui ont travaillé avec moi, des collaborateurs, des associés, qui pourraient avoir une partie, un segment de cette épée aussi. Voilà, un architecte, peut-être, contrairement à d'autres artistes, n'existe pas tout seul. Nous, on existe, on est une équipe. C'est compliqué de produire un bâtiment et souvent, on n'est qu'un petit maillon, voilà, rien de plus.
Et je dis ça sans fausse modestie, je le pense vraiment. Voilà. Merci. Eh bien, merci beaucoup, cher Bernard. Je te rappelle que même immortel, ça pique. Attention. Hein. Alors, mesdames, messieurs, nous vous remercions encore une fois d'avoir bien voulu entourer de votre amitié notre nouveau confrère pour cette séance d'installation. Je voudrais également remercier notre secrétaire général et tous les agents de notre académie et de l'Institut qui ont contribué à l'organisation de cette séance, ainsi que le détachement de la garde républicaine pour leur présence. Une réception va maintenant être donnée dans les salons de la cour d'honneur du palais, mais je vous demande néanmoins de bien vouloir garder votre place et votre masque encore quelques instants, le temps que notre nouveau confrère ainsi que l'ensemble des membres de l'Institut quittent cette coupole. Je vous remercie beaucoup.